Tout d'abord les amis, avant que la vidéo ne commence, je voulais vous dire que pour ceux qui souhaitent participer aux lives qui ont lieu tous les jeudis, un live pack opening où j'ouvre mes packs mais aussi les vôtres, si vous souhaitez participer, c'est simple, il faut tout d'abord que vous soyez abonné à ma chaîne bien sûr et me suivre sur Insta, FitForFun13, vous m'envoyez un DM et avant mercredi, si vous passez dans le live, je vous contacterai sur Insta. Je vous laisse avec la vidéo. Salut salut les amis, c'est FitForFun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, défi création d'équipe, DCE live avec la carte de Youssef Attal. Franchement elle est belle, la carte à 82 version Europa League, donc c'est toujours pareil si il augmente, enfin si Nice va plus loin, forcément sa carte va augmenter et franchement il a vraiment déjà une belle carte de base. Rendement du joueur élevé moyen, geste technique 4 étoiles, mauvais pied 5 étoiles, vitesse 94, 73 de tir, 77 de passe, 85 de dribble, 77 de défense, 76 de physique. Franchement pour une Ligue 1, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Au niveau de sa carte, donc 95 d'accélération, 94 de vitesse, donc franchement pour un latéral, il n'y a pas mieux. Placement offensif 78, finition 76, puissance de tir 73, tir de loin 66, volée 71, penalty 62, vista 77, centre 80, précision de coup franc 55, mais limite on lui demandera pas de tirer les coups francs. Passe courte 80, passe longue 76, effet 74, agilité 84, équilibre 83, réactivité 82, conduite de balle 84, dribble 87. Calme 80, au niveau de la défense 79 en interception, 68 en précision de tête, c'est là où c'est un peu dommage. Lucidité défensive 74, tacle debout 81, tacle glissé 80, détente 75, endurance 80, force 72 et agressivité 82. Les amis, pourquoi je vous le conseille ce DCE là, en tout cas si vous avez une Ligue 1, franchement faut y aller quoi, faut y aller. Même si jamais ça augmente pas, franchement il a vraiment une très très belle carte. Et surtout le prix, 25 000 crédits, ça passe, vraiment. Franchement 25 000 crédits, franchement c'est correct, de chez correct. Pour peu que vous ayez 4-5 joueurs dans le club, vous voyez moi tout ce que j'ai. En gros moi il me reviendrait à 10 000 crédits, et encore parce qu'il faut que j'achète un boost, allez 10-15 000 à tout casser. Donc il fallait un joueur de Ligue 1, il est là, c'est Sarabia. Vous mettez qui vous voulez du moment, il a 81 de général. Un joueur de l'équipe de la semaine, il est là. Une note générale à 83, un collectif à 80. Donc moi je suis à 89, mais les amis c'est parce que j'ai 7 joueurs paquets. Vous serez à 82. Donc forcément un peu plus compliqué de faire des changements. On commence avec Kevin Trapp. Pablo Sarabia ou n'importe quel joueur de Ligue 1, noté à 81 bien entendu, Jérôme Boateng, Martin Hinteregger version boost à 83, Philippe Kostic, Charles Aranguiz, Axel Witsel, Marcel Sabitzer, Karim Bellarabi, Andrei Kramaric et on termine avec Thorgan Hazard. Franchement les amis, je vous conseille de la faire, voilà, même si ça augmente pas, comme je vous ai dit, je pense pas que Nice passe aille trop loin en Europa League, mais franchement il a vraiment une belle carte de base, même s'il a qu'un 82 de général pour une Ligue 1, c'est ce qui se fait de mieux. Donc ouais, moi je vous dis, si vous avez une Ligue 1, foncez. Si vous le faites, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que ça donne in game, parce que voilà, il y en a plein qui hésitent à le faire. S'ils voient des commentaires qu'en gros c'est un monstre, ben peut-être qu'ils le feront. Au contraire, s'ils voient que c'est une bite, ben forcément ils le feront pas. Donc ça aide tout le monde et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de lui. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao les amis et merci.